Le but du programme d'immersion, c'est de faire acquérir une nouvelle langue à un élève euh, dans le but de l'utiliser aussi bien que sa langue maternelle. Lorsqu'on parle d'une langue, on parle aussi d'une culture, donc ça aussi, ça fait partie euh, d'un début de, de l'immersion française. Quand on parle de programme d'immersion, euh, évidemment, dans beaucoup de conseils scolaires partout au Canada, on parle d'un programme qui s'établit de la maternelle, de la maternelle euh, idéalement jusqu'en 12e année. Euh, dans certaines provinces au Canada, certains territoires, euh, cette vision-là est là, mais euh, ce n'est pas toujours le cas. En Alberta, on retrouve beaucoup les écoles à double voie, donc où on a justement un programme d'immersion française et un programme anglais dans le, dans le même bâtiment. Euh, en grande majorité, c'est comme ça de la maternelle jusqu'en sixième année, beaucoup des écoles élémentaires sont comme ça. Dans certains conseils scolaires, donc, mon conseil scolaire, entre autres, euh, on a des écoles où on a seulement euh, l'immersion française, tout ce qu'on appelle un centre d'immersion, donc il n'y a pas cette présence-là euh, de l'anglais. Dans un contexte immersif, euh, je dirais que beaucoup, beaucoup d'écoles d'immersion française ont un but commun de, de faire vivre justement l'expérience du, du fait français du matin jusqu'au soir. Dans certaines écoles où il y a présence d'un programme d'immersion, on, on vise l'enseignement total en français, selon la réalité de l'école. Dans certaines écoles, lorsqu'on parle d'un centre d'immersion, euh, à ce moment-là, on veut que tout se passe en français au niveau de toutes les matières enseignées. Mais souvent, on a besoin de l'aide des gens de la communauté. puis, une des choses qu'on recherche, c'est des gens qui peuvent nous donner cet appui-là au niveau de la langue, parce que assez souvent, pour ne pas dire presque tout le temps, l'école est la seule référence en français pour ces élèves-là. Donc, il y a certains élèves qu'une fois sortis de l'école, il n'y a plus de français présent. Donc, ce qui retourne à la maison, c'est une autre, un autre langue. Donc, les pourvoyeurs de services peuvent appuyer nos efforts lorsqu'ils offrent des services en français. Donc, on parle en français du début jusqu'à la fin, qu'on qu ne cherche pas à faire comprendre certains termes aux élèves en utilisant l'anglais, par exemple. Faut que ça se fasse en français. Donc, ça, ça devient un complément pour nous et ça favorise beaucoup plus l'expérience dans une, une culture autre que la leur lorsque c'est pas seulement l'école qui parle en français, à ces élèves-là. Donc, pour un pourvoyeur de service, la première chose que devrait regarder, c'est comment est-ce qu'ils peuvent appuyer le programme d'études dans la matière. Et ça, c'est, selon moi, le critère le plus recherché. Et après, bien sûr, l'utilisation de la langue française.